Salut, donc aujourd'hui c'est aujourd'hui, donc voilà, je dois faire attention à ma prononciation française parce que je me souviens que la première vidéo que j'ai fait, c'est donc pour les gens qui connaissaient pas, si cette vidéo c'est les résultats d'un petit défi, un petit challenge que j'ai fait pendant 5 semaines. J'ai fait en quoi? J'ai fait quoi en fait? J'ai étudié le français pendant 5 semaines. J'étais censé d'aller au camp d'immersion du français pendant l'été, mais à cause du Covid-19, la pandémie, le camp a été annulé. Du coup, donc, au lieu d'abandonner le français, j'ai décidé d'étudier le français pendant 5 semaines chez moi. Et bien sûr, c'était pas mes études chez moi ou mes études à la maison, ils sont pas au même niveau que les études que j'aurais fait à Explore. Explore, ça c'est le nom du camp. Explore, c'est un camp d'immersion du français ou d'anglais, ça dépend si vous êtes francophone ou anglophone au Canada. Et le camp a été créé, je crois qu'il y a 41, peut-être à peu près de ça. Le camp, c'est pour s'améliorer les compétences d'une langue, donc l'anglais ou le français, ça c'est les langues officielles du Canada. Donc, les langues. Langue officielle, oui, c'est ça. Donc ça c'est. Donc, j'étais censé y aller, mais à cause du Covid-19, c'était annulé, donc j'ai fait ceci et j'ai déjà dit ça, je viens de dire ça, du coup. Donc, il y a 5 semaines, j'ai publié une vidéo où j'ai parlé à l'appareil photo pendant 25 minutes et j'ai répondu aux questions, j'ai fait des choses, j'ai lu, j'ai répondu aux quelques-unes questions sur un article ou d'un article, d'un article. Qui s'appelle 100 questions pour apprendre à connaître quelqu'un. Je crois que j'ai pas reçu beaucoup de questions et bien sûr, j'ai pas répondu à toutes les questions, à 100 questions, parce que la vidéo aurait été trop longue. Du coup, donc, j'ai répondu à quelques-unes à la première vidéo et cette fois-ci, je vais répondre à des autres questions. Donc sur Instagram, si vous me suivez pas sur Instagram, mon nom d'utilisateur c'est comme Nicolas, c'est partout Instagram et Twitter. Mais la seule question c'était une question de la motivation, je crois. En fait, je me souviens pas et j'ai pas mon tel ici. C'est là, elle charge. Du coup. Non, il charge. Mon tel charge. Donc, je crois que c'était une question de la motivation et comment je me motive d'apprendre le français. Et la motivation d'apprendre une langue, c'est une question difficile. C'est difficile pour répondre parce que. Même moi, j'ai des problèmes avec la motivation. Je me souviens qu'il y a quelques. J'ai déjà dit ça, j'ai déjà raconté cette histoire, mais il y a quelques-uns, je suis allé à l'université française pendant une semaine pour apprendre le français, pour me plonger dans la langue. C'est un voyage scolaire. Et je me souviens que mon français, avant, j'y suis allé, c'était horrible. Donc. 90 jours avant que j'y suis allé, j'ai étudié le français chez moi, j'ai utilisé beaucoup Duolingo. Duolingo, ça m'a beaucoup aidé là, parce que mon français était nul, j'ai ri ensuite. Et pour moi, c'était parce qu'il fallait parler français là. Si j'ai parlé anglais,
je serais. C'est quoi le monde? Je serais. J'aurais été. Interdit d'être là. Donc. C'était interdit de parler en anglais, donc j'ai dû parler en français. Il fallait parler en français, donc j'ai continué où j'ai étudié beaucoup pour être capable de parler un petit peu. Avant, je suis allé à l'université. Je crois que mon niveau français a été à peu près de niveau A2, peut-être. Au A2, moins B1, à peu près ça, je sais pas. Mais parce qu'il fallait parler français, ça m'a beaucoup motivé. Et ça, c'est ce que je conseille à les autres, aux autres qui veulent être motivés. Trouver quelque chose pour te motiver, ou pour se motiver, par exemple, voyage. Mais je ne conseille pas de voyager maintenant. On est encore dans une pandémie, donc voyage pas. Restez à la maison quand tu peux. Et quand vous pouvez, et sinon, porter masque, faire la distance sociale, laver les mains. Il faut se protéger. Il faut porter des masques. Il faut être sûr pendant cette pandémie. Le Covid-19, c'est aussi dangereux. Et protège-toi. Protège-toi. Ou protégez-vous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment appris pendant l'expérience. Je sais pas comment, ou je sais pas quand utiliser tu et vous sur Internet. Normalement, quand je parle avec les amis ou les autres ados sur Internet, normalement, et même avec les adultes que je parle sur Internet, j'utilise normalement ou j'utilise tu, je tutoie, mais je sais pas quand je parle pendant mes vidéos, je sais pas si je devrais utiliser, si je devrais utiliser tu ou vous. Je sais pas si je devrais. Ok, maintenant je suis triste parce que je voulais pas éditer cette vidéo-là. Je voulais faire seulement dans une fois, dans un take, une scène, mais par accident, j'ai cliqué sur le bouton d'espace sur mon clavier. Et ça a arrêté la vidéo, donc je suis tellement désolé. Fais-moi confiance que j'ai pas révisé mon français pendant ça. C'est triste, mais j'ai considéré l'option que je pouvais juste arrêter la vidéo là et publier ça, mais ça c'est 7 minutes. C'est pas beaucoup pour vous donner une idée de mon niveau français. Du coup, mais avant, je continue. Juste parler comme ceci. Je crois que c'est mené pour moi à répondre aux autres questions sur l'article, parce que sur Instagram, j'ai pas reçu beaucoup de questions. Donc, sans questions pour apprendre à connaître quelqu'un, je vois maintenant, ou je vois, parce que je vais pas mettre sur l'écran l'article, parce que je ne peux pas éditer la vidéo. Je suis encore triste que j'ose ajouter les deux vidéos dans une nouvelle dossier, peut-être? Non. Je crois que peut-être le mot est dossier. Non. Dossier, ça, c'est quelque chose pour ramasser les. C'est quoi le mot? Il y a le mot. Peut-être, moi je vais dire dossier jusqu'à ce que je me souvienne le vrai mot. Du coup, mais j'ai répondu. Donc, je sais pas je sais pas à quelle question j'ai arrêté. De faire les vidéos, mais je vais dire que. Oh, et aussi, je sais bien que la qualité de cette vidéo c'est différent que la vidéo avant. Cette fois-ci, j'enregistre avec mon appareil de photo de mon Mac, de mon ordinateur, parce que je voulais pas arrêter la vidéo, mais.
ça n'a pas d'importance maintenant, du coup. Mais la première question que je vais répondre, c'est est-ce que tu aimes parler avec des gens que tu ne connais pas? Et normalement, j'aime bien, c'est bon, parce que la majorité, la plupart des personnes que je rencontre, la plupart des personnes que je parle, avec qui je parle sur la plupart des étrangers que je connais pas, avec qui je parle, c'est des personnes qui parlent les autres langues que je veux apprendre. Que je veux, les francophones, les espagnols, je sais pas le mot, comme francophone, germanophone. Non, germanophone. C'est mon français, non? Germanophone. Je sais pas, j'espère que c'est ça. Je vais dire quoi? Mais la plupart fois, c'est super, j'aime bien. J'ai peur, mais après, c'est bon. Donc, est-ce que j'aime? Avant, non. Après, normalement, oui. Quelle est ta série préférée? Où tu ne raterais pas où tu ne raterais jamais un épisode. Maintenant, il n'y a pas beaucoup vraiment. Parce que je regarde pas vraiment des émissions. Particulièrement les émissions que je peux pas regarder après, comme sur Netflix, où je peux choisir lorsque je veux la regarder, ou sur YouTube, c'est le même. Donc ça doit être sur la télé. Et ça fait longtemps en fait que j'ai regardé la télé, je regarde pas souvent. Pendant mon. Quand, non, pas. Je peux pas dire pendant mon enfance parce que j'ai encore 16 ans, du coup je suis petit, mais. Quand j'avais peut-être 11 ans, j'ai bien adoré l'émission qui s'appelle The Next Step. The Next Step, c'est une émission, c'est comme un documentaire, mais c'est faux, c'est une émission. C'est du fiction, c'est de la fiction, mais. Il s'agit d'un studio de la danse. Il fait des compétitions. C'est super, c'est un peu difficile à expliquer en français, mais il s'agit de les danseurs dans un studio où ils participent dans des concours de la danse. Et il y a beaucoup de la drame. Moi, j'ai bien aimé. Non. J'ai aimé. Et je me souviens que j'étais si triste si j'ai raté un épisode. En fait, je crois qu'il continue de produire des épisodes, fait des épisodes et faire des épisodes, mais maintenant je regarde pas. Est-ce que tu manges sain? Pas du tout. Pas du tout. Si normalement c'est des goûters ou des collations que je pense pas très sain. Je mange beaucoup du croustilles, du chocolat. Je crois que la pizza c'est pas sain. Où c'est pas saine. Donc, je dirais pas que je mange sain. Est-ce que tu peux parler une autre langue? Celle-ci. Est-ce que tu aimes essayer de nouvelles choses? Je crois que c'est un problème de n'importe quoi. Avant, j'ai trop peur, c'est trop effrayant.
ou c'est trop effrayant. C'est trop effrayant. Voilà, c'est trop difficile pour moi à faire le liaison, particulièrement avec le mot trop, parce que c'est un P. J'ai essayé de dire trop avancé. Et en fait, c'est pas trop mal maintenant, mais au début, trop avancé, à moi, ça marche pas. Je voulais dire trop avancé, mais trop avancé, ça marche pas parce qu'il n'y a pas de S, il n'y a pas d'S. Du coup, mais est-ce que tu aimes essayer des nouvelles choses? Au début, non, mais le résultat, ou même pendant, normalement, c'est super. Où est-ce que tu aimerais voyager? Non, pas du tout, je veux pas. Je sais bien que c'est pas une question de oui ou non, c'est où, mais non. Maintenant, je veux pas voyager. Je veux pas voyager, pas du tout, pas du tout. Mais avant la pandémie, peut-être à l'Europe. La France, l'Espagne, l'Allemagne, le Nord, le Norvège, bien sûr, le Norvège, peut-être le Royaume-Uni, je sais pas. Quelle chose es-tu vraiment nul à faire? Qu'est-ce que je suis nul à faire? Les choses de physique, je suis pas très actif, je suis paresseux, je suis pas très fort, je suis quelqu'un qui est, s'il faut bouger, non, je sers à rien. Quel est ton talent caché? En fait, j'ai des talents cachés. Je crois que non, en fait. J'ai pas vraiment des talents. En fait, oh, les talents que je possède, c'est vraiment de parler le français, je dis que je parle français, et d'où je viens, c'est quelque chose qui est. C'est pas. Au Canada, aux régions anglophones, je peux pas vraiment parler des régions francophones, mais aux régions anglophones, il y a pas beaucoup de personnes qui parlent français, donc je possède cette compétence, et c'est un peu plus rare, mais ici, c'est pas caché. Je dis partout que je parle français. C'est le seul talent que je possède. Es-tu une personne qui aime être à l'intérieur ou à l'extérieur? Maintenant, à l'intérieur. Avant, peut-être vraiment plutôt à l'intérieur, mais. Je voulais sortir plus souvent, mais maintenant, non, je vais rester ici parce que je fais pas confiance à personne. Est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou tu es impulsif? J'ai. Je suis quelqu'un qui doit planifier. Ou non. C'est quoi le verbe à l'infinitif? Doivre. Non. Doir. Non. Je devrais, non, c'est pas devrais, ça c'est le futur. Mais il faut que je planifie. Il faut que je planifie les événements, les choses comme ça. Je me souviens bien que mon père, il m'a suggéré d'aller à la plage. J'ai dit, ok, mais si on va faire ça, je dois savoir au moins quelque chose, quelques jours avant. Et il m'a dit, ben pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? C'est la plage, c'est bon. Et j'ai dit, non, je dois savoir, premièrement, parce que la COVID-19, et même si ils nous disent que c'est les plages
où il me dit que c'est des plages qui n'y a pas vraiment de personnes. Et même là, je dois savoir quelques jours avant. Si je peux pas aller juste, oh, on va aujourd'hui, oh, c'est super. Non, je dois savoir. Je dois avoir des plans. Et c'est. Quelle personnalité féminine est la femme de tes rêves? Quoi? Quelle personnalité féminine est la femme de tes rêves? Personnalité féminine, c'est. Juste. Je sais pas. Je peux pas répondre si. Je pense que c'est une question de la compréhension, de la question juste soi-même. Donc, dans quel pays voudrais-tu vivre? La Suisse. J'aime l'idée que c'est un pays qui a beaucoup de langues à parler, beaucoup de langues utilisées, des langues utilisées. À la Suisse, il y a le français, l'allemand et l'italien. Et il y a aussi le romanche, mais le romanche, c'est pas très parlé. Mais la Suisse. Quel caractère des séries TV voudrais-tu épouser? Ah non, je sais pas. Parce que même avant, je ne regarde pas beaucoup de séries TV. Du coup, donc, il n'y a pas vraiment l'un que je veux épouser. Quel est le meilleur film de tous les temps? De tous les temps? Je sais pas vraiment. C'est. J'ai. Quel film j'ai aimé? J'ai aimé The City of Amber. C'était un film qu'il y avait. Aussi, il y a des livres et je possède presque la plupart des livres de The City of Amber. Mais j'avais tout. J'avais l'un qui a été. Qui a été brisé ou. Ruiné, je sais pas. Qui a été brisé par l'eau. Il avait un flow, quelque chose, je sais pas vraiment, ça fait longtemps, mais j'ai plus le troisième livre, mais ok. The City of Amber, c'est un film, est un livre qui. Il s'agit des élèves qui vivent, ou des personnes qui vivent sous la terre, parce que c'était par la préparation pour. Pour la fin du monde, quelque chose, et il faut s'échapper parce qu'il n'y a pas assez de la nourriture, des autres matériaux pour vivre. Il n'y a pas assez pour vivre tout le temps, donc il faut s'échapper. Mais les instructions ou les directives d'échapper ils sont dans une petite boîte avec un verrou de temps. Donc après 200 ans, la boîte s'ouvre automatiquement. Et la boîte a été gardée dans une salle que tout le monde ou le maire sait que la boîte est là, mais il faut pas toucher, il faut pas bouger. Mais l'un des maires, il a cru que. Donc, le maire a été malade. Il a été très, très malade. Il a pensé qu'il avait une solution dans la boîte. Donc, il l'a ramené chez lui et il est mort. Et la boîte a été bougée dans une armoire et personne l'a su. Personne l'a su et la boîte était là, il s'est ouvert ou elle s'est ouverte et la ville
La ville a eu des problèmes. Et donc, il y avait eu là la grande fille, la grande fille du maire. Elle a trouvé la boîte. Et sa sœur, sa sœur a mangé, ou elle a mordu. La petite sœur, elle avait peut-être 2 ans au max, et elle a mordu le papier. Donc la grande fille, elle avait, je crois que 13 ans, elle a essayé de le réparer. Et son ami Dune, il a essayé aussi, et ils ont trouvé, c'est un bon film, c'est un peu long à expliquer, mais peut-être ce film, c'est le meilleur film du temps, mais, oh, de tout le temps, je sais pas, mais c'est un bon film. Est-ce que tu joues aux jeux de vidéo? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Est-ce que tu sais jouer dans l'instrument de la musique? Oui, mais je joue pas la guitare, je joue pas du piano, je joue. En fait, si. C'est des instruments comme ceci. Flûte à bec. Une flûte à bec de base, c'est pas très avancé, c'est juste le petit. Et aussi, il y a seul. Si c'est pas une flûte à bec. Mais c'est un peu comme ça, c'est super facile d'apprendre. Mais c'est tout, je joue pas des instruments de musique très très cool, mais je joue un peu de ça. Mais c'est tout. Quel est le dernier livre que tu as lu que j'ai lu mais j'ai pas fini ou je suis en train de lire, c'est Alice au pays de merveilles, mais le livre que j'ai le dernier livre que j'ai lu et terminé, en fait, c'est le guide de conduire de ma province, parce que je suis en train d'apprendre ou je suis en train d'obtenir mon permis de conduite, donc j'ai lu ça. Ça m'a pris une semaine, c'est à peu près 200 pages. C'est pas super intéressant, mais il faut que je lis parce que je veux avoir mon permis de conduite. En fait, le mercredi. Oh! Quand cette vidéo sera publiée, j'aurai passer mon examen. Je sais pas si je l'ai réussi, mais j'aurais passé. Du coup, donc c'est super ça. Donc j'espère que je l'ai réussi, mais au moins je vais savoir. Donc c'est super ça. Es-tu 15 minutes en avance ou 15 minutes en retard? Normalement 15 minutes en avance. C'est moi? 15 minutes en avance? Je crois. Mais je ne vais pas souvent au lieu pour savoir maintenant. Est-ce que tu avais un animal de compagnie quand tu étais enfant? Je suis enfant. Et oui, j'ai un chien. Il s'appelle Harley. J'ai des chats. Je ne sais pas combien. J'ai des poulets, j'ai des vaches, j'ai des cochons. Oui. J'ai des poulets, oui. Donc oui, j'habite dans une ferme. Quelle est ton expression favorite? Ton ex... Ah ouais, c'est ton expression. Parce que expression, ça commence avec une voyelle. Je sais pas vraiment, je sais pas. Quelle est ta parole et chanson favorite encore? Je sais pas.
Une chose que tu ne veux pas vivre sans, mon tel ou une connexion d'internet, parce que ma vie c'est là. Bien sûr, je fais des vidéos, j'apprends les langues sur internet. J'ai ma série Duolingo, c'est internet, je crois que c'est ça. Aussi, ça c'est quelque chose qui est, je trouve que c'est intéressant. Avec la langue française, on ne peut pas dire l'internet. Je me rappelle qu'une fois que j'ai regardé une vidéo par Cyprien, il fait une blague à propos les veilles, les personnes vieilles, les personnes âgées, et il a fait une blague sur les grands-mères, les grands-pères qui disaient: Oh, est-ce que ça c'est l'internet? Il a dit l'internet, et la blague c'était l'internet, on ne dit pas l'internet, c'est internet bien sûr. Et c'est là que j'ai rendu compte que, oh, c'est pas l'internet, si, c'est internet. Et c'est parce que moi, comme anglophone, si ça marche, en anglais, si on dit the internet, ça marche, mais si on dit. Mais on peut dire Internet, on peut dire The Internet, ça marche. Les deux, ça marche. Mais en français, on ne peut pas dire Oh, l'Internet. Et ça marche, mais j'aime pas. Je veux dire l'Internet. Est-ce que tu aimes ton boulot? Je travaille pas, en fait. Mais quand je travaille, j'espère que j'aimerai mon boulot. Donc, quel est ton genre de film favori? Je sais pas. Un film que tout le monde adore, mais tu détestes. Je sais pas. Quel est le meilleur moyen de commencer ta journée? Et je sais. Je dis bien que je réponds à beaucoup de questions avec Oh, je sais pas. Mais j'ai le même problème en anglais. Je me souviens, avant le monde a été annulé, je me souviens que à l'école, particulièrement où, à la classe du français, on avait eu des cercles où tout le monde, tout 8, il y avait 8 personnes dans la classe, tout le monde se joint dans un cercle. Et on parlait quelque chose, on a demandé des questions ou on a posé des questions. Et je me souviens que presque toutes les fois, je répondrais, hein, je sais pas. Et je veux pas être cette personne-là. Je veux pas être ça, mais en fait, je sais pas, je sais pas quoi répondre. Et je suis désolé que je suis ennuyeux. Ennuyeux? Non. Je sais bien que je t'ennuie, ou je vous ennuie, et je suis désolé, je suis. Ouais, c'est. Si tu pouvais vivre à notre époque, ça serait laquelle? Je sais pas en fait. Cette époque, c'est pas. Je crois que ça, c'est la meilleure. Entre. Les époques qui sont arrivées. En fait, je sais pas, je suis content avec l'un qu'on vit maintenant. Et waouh! Donc, je viens de réaliser que j'ai parlé pendant 25 minutes dans cette vidéo, cette partie, et je dois ajouter l'autre partie. Donc, je vais arrêter de parler ici. Et cette fois, j'ai la chance de faire une vraie fin de la vidéo. Donc, parce que la dernière fois, la vidéo a été arrêtée parce que j'ai plus d'espace. J'ai mordu mon joue, ma joue, joue. Ceci, ma joue. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, donne la vidéo un pouce bleu. Abonnez-vous.
À la chaîne, je publie des vidéos chaque semaine. Et je sais pas quoi faire pour les vidéos de lundi maintenant. Les vidéos de lundi. Mais ça, c'est oh, ça, c'est quelque chose d'autre que j'ai pas vraiment parlé pendant les mises à jour. Oh, j'ai parlé lors des mises à jour. L'une des mises à jour d'Explore Engine, j'ai fait une vidéo à propos de mon accent, comment je vais améliorer mon accent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris pendant Explore Engine, parce que je continue d'avoir un accent anglophone, mais aussi j'ai un accent, ou de plus, j'ai un accent québécois. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas rendu compte, et j'ai cru que mon accent était plutôt français, mais je me suis dit, que j'ai parlé avec quelqu'un, on lui a dit. Donc, elle est coréenne, elle habite au Corée du Sud, mais elle parle très bien anglais, ou elle parle très bien anglais. Son anglais, c'est super, mais c'est pas sa langue maternelle, et elle est en train d'apprendre le français. Et je me suis dit qu'elle a remarqué mon accent, elle a dit « Oh, t'es québécois !» Et peut-être c'est parce que je l'ai dit que je suis canadien, et peut-être ça donne ça suggère que j'ai l'accent québécois. Et c'est quelque chose que. Si je continue d'avoir un accent québécois, c'est pas la fin du monde. Si bon, ça marche. Mais je veux avoir un accent de la France. Je veux avoir un accent le plus parfait que possible. Si. Mon accent, c'est. Et ça, c'est quelque chose que. Avant Explorantine, mon accent et ma vitesse, parce que je voulais les améliorer, mon accent bien sûr, mais qui a été plutôt ou plus important, c'était d'améliorer ma vitesse parlée. Je crois que j'ai amélioré ma vitesse parlée, bien sûr, je parle pas toujours vitement. Ma vitesse de parler, c'est pas très vite, pas toujours. Je me suis dit, à la fin de cette vidéo, j'ai amélioré ma vitesse parlée et c'est plus facile pour moi de parler vite, mais. Au début, j'avais une vitesse et un accent. Un accent. Un accent. Liaison. C'est trop difficile. Mais après, parce que j'ai amélioré ma vitesse et j'ai amélioré mon accent, je crois qu'il y a deux. Si je parle plus lentement qu'avant et j'améliore mon accent, j'améliore mon accent et je fais beaucoup attention. Je fais beaucoup attention à ma prononciation française. Je crois que mon accent est amélioré. Mais aussi, si je manquais de mon accent et je parle plus vite, je parle. Quand je dis que je parle vite, j'espère que je ne parle pas vite. Au contraire, non, pas au contraire. Mais ici, si on écoute une France francophone et moi, au niveau de la vitesse, les francophones, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais je crois que ma vitesse de parler, c'est pas trop mal maintenant. Si je parle pas trop lentement. Bien sûr, je continue de parler plus lentement que les francophones et je veux l'améliorer. Mais maintenant, je suis beaucoup plus heureux avec ma vitesse de parler, avec mon accent. Je sais pas. Pas dire la même chose, mais oui. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je dois vraiment arrêter la vidéo ici. Donne la vidéo, donnez la vidéo un pouce bleu. Abonnez-vous et je vais vous voir à la prochaine fois. Bon, à la prochaine. Salut!